Bonjour à tous, c'est Novel. Je vous souhaite la bienvenue sur cette nouvelle vidéo trick. Nous partons aujourd'hui sur Halo 3 dans la mission l'Alliance Covenant. Il s'agit donc aujourd'hui d'un hors-map assez immense. Il n'est pas très connu, c'est pour ça que je rectifie le tir. Nous allons donc nous rendre au point de rendez-vous Alpha. Il n'y a ni crâne, ni difficulté spécifique. Vous pouvez le faire seul ou à plusieurs. Je conseille de le faire au moins à deux si vous voulez en découvrir tous les secrets, car il n'y a pas de checkpoint dans le hors-map. Allez, on y va! Une fois que vous commencez la mission, rendez-vous jusqu'à la première tour que vous devez capturer. A partir de là, éliminez tous les ennemis qui se présentent à vous. N'oubliez pas l'apparition, les deux prowlers, ainsi que la tourelle plasma. Rendez-vous ensuite sur l'emplacement de la tourelle plasma et utilisez un grenade jump pour arriver jusqu'à la rampe en face de vous. A partir de ce moment, vous allez devoir monter jusqu'en haut de la tour. Pour ce faire, vous allez devoir réaliser quelques sauts accroupis. N'oubliez pas, afin de réaliser un bon saut accroupi, sautez et maintenez la touche accroupie, s'accroupir en fait, enfoncée. Ce qui vous permettra de gagner en fait quelques centimètres pour monter les obstacles. Continuez ensuite de monter et vous verrez un mur invisible qui vous poussera lentement vers la droite. Continuez d'avancer jusqu'à ce que vous tombiez. Ne vous en faites pas, vous allez l'éviter. A partir de là, commencez à rejoindre la montagne et grimpez tout en haut. On se retrouve là-haut. Une fois arrivé en haut de la montagne, le but va être de vous coller contre le mur de la tour tout en avançant, ce qui va vous téléporter au fait dans une nouvelle zone. Une fois arrivé dans la nouvelle zone, commencez à avancer. Vous allez devoir descendre tout en longeant le mur pour éviter de subir une chute mortelle. Vous commencez à voir à peu près où vous êtes là maintenant. Commencez à monter sur la tour et contournez-la pour arriver sur l'immense hors-map que je vous avais promis. Vous constatez donc que vous vous trouvez bien sur l'avant-dernière zone du niveau, zone où se déroule une énorme bataille avec deux scarabs et qui va vous permettre d'atteindre Vérité pour le tuer. Vous remarquerez d'ailleurs que les deux cratères des scarabs sont déjà présents alors que ceux-ci ne sont même pas encore arrivés ni modélisés, rien n'est chargé sur la carte. A partir de là, vous avez donc plusieurs choix, soit vous contournez la carte, au fait, vous allez jusqu'au bout tout en longeant l'arche, ou alors vous pouvez tenter de descendre, attention, il y a beaucoup de passages où vous ferez des chutes mortelles, ou alors vous toucherez un mur invisible qui vous tue. Donc à vous de trouver par où passer. Vous pourrez également faire le chemin inverse du niveau, donc revenir au fait là où vous arrivez avec le Warthog ou le Hornet hein, d'habitude. Vous vous confronterez à un mur cirage. Voilà, à partir de là, vous ne pourrez plus avancer, vous ne pouvez pas continuer le niveau, rien ne se chargera, le script ne se chargera pas, vous ne pourrez donc pas arriver jusqu'à la fin, et ne pas l'utiliser en speedrun, ce qui est dommage. Hein. Après, tous les secrets n'ont pas encore été découverts sur ce hors-map, je vous laisse le soin de chercher un petit peu, et de me dire si vous trouvez quelque chose. Je vais d'ailleurs vous montrer ce que donne une mort par le mur invisible. Hein. Donc, dès que vous arrivez sur une certaine zone trop en bas de la map, vous mourrez automatiquement. C'est comme ça, le script est fait comme ça en fait. Je n'ai pas testé tous les endroits de la carte. Peut-être qu'il y a une faille. Est-ce que ce sera trouvé? Est-ce que ça fera l'objet d'une autre vidéo? Je ne sais pas. J'espère que cette vidéo trick vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires et à liker la vidéo si vous avez aimé. Abonnez-vous à la chaîne pour ne louper aucune news et aucune nouvelle sortie de vidéo. Sur ce, je vous dis à la prochaine, santé bonheur et vive Halo !